J'espère que vous allez bien. Ici, en Israël, nous sommes en confinement depuis plusieurs semaines. Je crois que c'est la troisième ou quatrième semaine que nous sommes en confinement, c'est-à-dire que nous restons à la maison et nous ne sortons presque pas de la maison. Nous sortons seulement pour aller faire les courses. Heureusement, nous avons un jardin, ce qui permet quand même de prendre l'air et de s'aérer. Aujourd'hui, nous avons une journée assez chargée car nous allons jardiner. Nous allons faire du jardinage. Donc, nous allons faire un potager. Un potager, c'est un jardin où on cultive des plantes pour la cuisine, comme des légumes. Je tiens à dire que je suis complètement débutante, mais Doron a plus d'expérience et notre voisin qui est jardinier, c'est son métier, va venir nous aider. Venez avec moi, je vais vous montrer le jardin avant. Petit jardin, mais il y a du travail. Pour le moment, ce qu'il faut, c'est qu'il coupe les branches de l'arbre pour que il y ait plus de lumière qui entre dans le jardin. Ok, donc on a enlevé toutes les mauvaises herbes et maintenant on va mettre du compost dans tout le jardin. Regardez ces racines. Ça travaille dur? Non! Non? C'est kiff! Tu kiffes? C'est le kiff? C'est le kiff avec notre voisin Doron. Un peu, un peu. Oui, il apprend. Qu'est-ce que tu fais là, Doron? J'organise l'eau. L'arrosage? Pour toutes les plantes. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on a comme plante ici? On a de la menthe. Menthe. Et verveine. Ça c'est de la verveine. Ça commence doucement à prendre forme. Ils ont arrangé l'arrosage dans le jardin. Et ça commence à ressembler à quelque chose. Doron, qu'est-ce que tu fais? Et je peins la mur en blanc pour la lumière. Étape suivante, on peint le mur du jardin en blanc pour attirer plus de lumière. En fait, le problème de notre jardin, c'est qu'il n'y a pas assez de soleil. Donc notre voisin nous a conseillé de peindre le mur en blanc pour attirer plus de lumière et renvoyer la lumière sur les plantes. Donc ici, Doron retourne la terre. Notre terre était de mauvaise qualité, donc on a ajouté du compost. Et maintenant, on retourne la terre pour que le compost entre dans la terre. Comme je vous ai dit, je suis une débutante en jardinage,
Donc, je ne suis pas exactement sûre des bons termes, mais bon. Le moment tant attendu est arrivé. C'est l'heure de planter les plantes. Donc, on a des plants de tomates normales, des tomates de taille normale. Et ici, on a des plants de tomates cerises ou de petites tomates. Ici, on a des poivrons rouges. On a également du piment. Donc là, on a des plants de maïs. Et ensuite, on a des plantes aromatiques. Donc les plantes aromatiques, ce sont des plantes qu'on utilise dans la cuisine ou pour faire des infusions. On a de la verveine, du thym, de la coriandre. Mmh. Je confonds toujours la coriandre et le persil. Donc ici, on a de la coriandre et le du persil. Oui. Ah, on a les deux. Donc on a de la coriandre et du persil. Et on a du basilic. On a beaucoup, beaucoup de basilic. Ah, ça sent bon. Voilà, on va sûrement ajouter d'autres choses, peut-être des aubergines, des courgettes. On va commencer avec ça. C'est haricots verts thaïlandais. Laurent, demande à ta chotel. Dania. Et en français, tomate. Qu'est-ce que tu plantes, Elsa? À partir d'une tomate que nous avons achetée dans un supermarché. On a juste coupé la tomate et mis la tomate dans la terre. Et voilà ce qui est sorti, un plant de tomate.